الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je ne vais pas faire de discours aujourd'hui. Je vais simplement laisser mon cœur vous parler, dire bonjour à la Guinée, dire bonjour au Fouta, dire bonjour à l'Afrique, mais dire bonjour au monde entier. Parce que, à ce que je comprends, il y a toutes les nationalités qui sont représentées ici, mais qui sont de souche guinéenne. Alors bonjour le monde guinéen. Je voudrais simplement dire la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui en Guinée. Parce qu'au Sénégal, nous vivons en parfaite symbiose avec la communauté guinéenne. La communauté guinéenne, dont les fils sont des braves travailleurs, des honnêtes gens, des religieux de haute facture, qui travaillent avec nous et qui participent à toutes les activités que nous menons à la grande mosquée de Dakar, comme dans la collectivité Lébou de Dakar. Et c'est pour cela que l'imam Ratib de Dakar, le patriarche, le grand serigne de Dakar, se sont accordés à donner le titre honorifique de 13e pench à la communauté guinéenne. C'est important et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Lébou de Dakar ou du Sénégal sont organisés en pench des communautés et il y en a 12. Et nous avons dit que la communauté guinéenne sera notre 13e pench. Et si vous ne comprenez toujours pas, dites-vous que quand le Sénégal va jouer un match de football, il y a 11 joueurs qui sont sur le terrain. Et les autres qui sont dans les tribunes, on les appelle le 12e Gaïndé. Alors la communauté Peul est pour nous la collectivité Lébou, ce que représente le 12e Gaïndé pour l'équipe nationale du Sénégal. Alors, c'est l'occasion de lancer un appel à tous les Guinéens. La Guinée a besoin de ses hommes. La Guinée a besoin de ses femmes. La Guinée a besoin de ses jeunes et de ses filles. C'est pour cela que nous appelons tous à l'unité. Soyons unis. Soyons ensemble, cultivons le respect de la diversité pour vivre ensemble, pour tenir debout. On ne pourra jamais tenir debout si nous ne sommes pas bien ancrés dans nos racines. Il faut nous enraciner. Et c'est là que je vais souligner l'importance de cette cérémonie d'aujourd'hui, qui rappelle les traditions culturelles de la Guinée, en investissant Elhadj Alseni Barry, aujourd'hui 4e président de la coordination nationale des Fulbe et Hali Poular de Guinée. Nous prions pour vous, Monsieur le Président,
Votre passage à Dakar nous a fait beaucoup plaisir. Il s'est déplacé jusqu'au Sénégal, comme il l'a fait certainement dans d'autres pays, pour rencontrer non seulement les fils de la Guinée, mais aussi les enfants du Sénégal que nous sommes. Et nous avons très bien apprécié. Aujourd'hui, nous sommes là sur invitation et on est très bien traités. J'ai dit à mes parents qui sont restés à Dakar que ici en Guinée, nous sommes traités comme des rois. Et cela, vraiment, nous tenons à le souligner et remercier l'ensemble des Guinéens. Remercier également le gouvernement de la Guinée. Remercier le chef, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Nous prions pour Allah, pour qu'Allah ouvre son cœur, ouvre son esprit et le guide pour qu'il soit le meilleur des Guinéens pour les Guinéens. En terminant, je vais remercier également et saluer la représentation diplomatique du Sénégal ici en Guinée. Et je vais terminer par une prière à l'endroit de M. El Hadj Al-Seyni Barry. Une prière que je vais prendre dans le fameux Seyfiou de Cheikh Omar Fouti Youtal que vous connaissez bien. En disant simplement Allahumma ma qaddarta lana min khayrin wa shara'na fihi bi tawfiqika wa taysirika fatammimhu lana bi ahsanil wujuhi kulliha wa aswabiha wa asfaha fa innaka ala ma tasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa ma qaddarta lana min sharrin wa tuhadhiruna minhu fasrifhu 'anna ya hayyu ya qayyum ya man qamat as-samawati wal arduna bi amrihi ya man yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi ya man huwa idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un wa sallallahumma wa sallim وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.